Bonsoir à tout le monde. Merci, fidèle. Bonsoir, Sharon. Tu es la première. Good evening. Bonsoir Michel. Je vais partager quelque chose de très simple avec vous aujourd'hui. J'ai écouté en boucle un livre aujourd'hui qui s'appelle The Little Red Book. C'est tout petit et c'est tout simple. Et il n'y a qu'un seul principe là-dedans. Donc je vais demander la sagesse divine ce soir. Parce que je sais qu'il y a des vies qui vont être changées. Vous allez recevoir de la sagesse. Si vous voulez parler sur TikTok, vous devez d'abord faire un commentaire pour me dire de quoi vous voulez qu'on parle. Le roi Foyette, bonsoir. On brûle notre encens. Seigneur, merci pour chaque personne qui est connectée ici. Bonsoir. Donc les lavages des enfants ont été reportés pour vendredi. Donc si vous avez demandé à ce qu'on lave votre enfant, je vous demande d'être patient, ok? J'ai malheureusement une dame qui a un peu attendu. Non, ça reste. Le tissu jaune là, peut-être on peut partir avec pour voir. Le tissu ghanéen. Merci d'avoir partagé Claude. Elle a attendu, attendu, et quand elle a demandé qu'on lave son enfant, il venait. Il avait été attaqué par un gang et il était dans le coma. Donc d'ici à ce que je recommence à travailler sur l'enfant, je n'ai même pas commencé, on m'a appelé, moi j'ai dit qu'il est décédé. Et il a encore deux autres enfants. C'est vrai qu'il avait lui dit que l'attaque qu'on a fait d'abord sur l'enfant là, ce n'était pas le hasard. Donc, n'attendez pas quand il se fait tard pour qu'on travaille sur vos enfants, je vous en prie. N'attendez pas quand il se fait tard. Merci à ceux qui sont en partager mes vidéos. Merci. Je demande la sagesse. Je mets la lumière. Bonsoir, la reine Sarah. Ok. La reine Vanessa dit, je vous suis depuis quelques semaines, j'ai commencé le bain de sel. Avant-hier, je crois, depuis, j'ai l'impression d'être attaquée spirituellement. Mon réchaud s'est gâté et l'argent a disparu. Dans la maison. Ça te dépasse. Ah, ben c'est super. Réjouis-toi, Vanessa. Parce que tu as commencé à déranger certaines entités qui étaient assises sur toi, bien même. Tu
crois qu'ils vont partir comme ça là. Le travail spirituel, c'est le travail fan. Oh, you are. Il y a bien le travail sur ça. Donc, je vais vous montrer comment prendre le tout pour réanimer là. Tu vois, on fait le massage cardiaque. Donc, tu prends les deux là, les deux électrodes là. Supposons les deux enveloppes, c'est ça. Ok? Tu fais ça. Tu prends les deux plaques. Tu fais. Et vous montrez comment relancer votre vie. Voilà. Somming, je suis à Libreville pour l'instant. Dans deux jours, je suis au Cameroun, à Douala. Ça veut pas dire que tu vas me voir. Hein. Tout se fait à distance. Je parle d'abord du principe que rien ne marchait dans ta vie. Bonsoir, ange. Parce que tu étais simple. Tu étais bête. Tu étais bête, ce n'était pas de ta faute. On ne t'avait pas montré mieux. Peut-être que tu es sorti du ventre de ta mère. Tu as grandi dans un environnement où, dès qu'un homme te donnait un peu la bière comme ça, là, pour toi c'était genre waouh, il est l'homme le plus beau de la terre. Je fais les consultations à distance. C'est vrai, j'ai un bon témoignage avec un lavage. Donc, il y en a parmi vous, à un moment de votre vie, il suffisait qu'un homme te donne un petit plat, un poisson brisé, pour que tu dises, waouh, il peut être mon gars. Hein. Parce que tu ne connaissais pas mieux que ça. Il suffisait qu'un homme arrive, il te parle un peu bien, oh, tu es belle. Tu es le pain de mon chocolat, tu es le plantain de mon avocat, oh, tu es... Dès qu'il te dit un peu comme ça là, oh yo, mamie, est-ce qu'on t'a déjà dit ça un jour? Maman, te voilà. Tu arrives à l'université, est-ce que ta tête est dans l'école? Tout à part, tu veux seulement le gars, je vais me marier. Moi aussi, je vais me marier. Moi aussi, je vais me marier. Ok. Ok. Merci pour le partage. Tu t'es marié, non? How is it now? Ça se passe comment? Le gars t'a déjà trompé combien de fois? Hein? Tu veux lancer un petit commerce? Il a refusé combien de fois? Dès que tu veux prier là, il dit oh. Va faire tes prières là-bas, dis-moi. Me dérange. C'est ce que tu voulais, non? Tes vêtements. Tu peux avoir. D'accord, ça va alors. Oui. Le miel de ton foléré. Oh, oh, oh. Vous voilà. Dites alors votre truc. Comment vous draguez là? Dites-moi les formules qu'on vous donnait. La consultation est payante. Mais si vous avez des questions, à la fin de ce direct, vous pouvez poser vos questions en direct. Merci beaucoup, Glorious Bread. À la fin, j'aime beaucoup enseigner. Quand je me connecte, c'est pour enseigner. Parce que si je vous laisse poser des questions, vous allez me tirer dans tous les sens. Et je veux vraiment focaliser mes enseignements. I want to be focused, you know. I want us to be on point. Voilà.
Ah, la pédale de mon vélo. Non, c'est seulement les femmes qui disent. Les hommes ont les bonnes formules. Les hommes écrivent aussi, non? Dites ce que vous dites aux femmes quand vous les draguez là. Merci, merci. Tu t'es retrouvé au début, tes choix portaient sur ce que tout le monde te faisait vouloir. On t'a dragué en disant que tu es la princesse Bayangam. Assiste-toi, tu étais vraiment moins cher. Hein? Donc, qui te dit que quelqu'un te dit que wow, le sucre de mon tapioca, oui, ma raison de vivre. Ah, l'autre là, c'est toi que j'attendais depuis. Tu vas m'aider à devenir bien. Tu vas m'aider à me discipliner. Quelqu'un te dit ça, fuis. Mon bulletin de paie, mon quand il voit la paie là, pourquoi il ne te donne pas? Merci TikTok pour les likes. Le centre de ma vie, l'air de ma vie. Oui, les femmes draguent aussi. Ma couverture, si ça doit là, il n'a pas besoin de couverture. Quand il te dit comme ça là, aïe aïe aïe. Le numéro pour la consultation, le numéro général pour tout le monde. Il dit, je ne serai pas pareil que tes ex. Oh my. Snip, snips. Là. Mamie, l'autre là. Que je ne serai pas pareil que tes ex. Je te promets, je vais te protéger. Mon petit cœur. L'autre là. Il dit, mon ex m'a fait ça. Il dit, oh, méchant ex. Méchant. Méchant. Oh, viens là, viens là, viens bébé, viens, viens, viens là. Viens. Oh, ça va aller, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez, va me faire manger là-bas. T'inquiète pas, bébé. Allez, couche-toi là-bas, fais l'amour. Oh, t'inquiète pas, bébé. Va me préparer le couscous, ça va, il mange. Bébé, bébé. Quand il te fait comme ça, là, dans son cœur, il est en train de parler, hein. Oui, le matin après la prière, j'ai dit qu'il fallait que dormir encore, oui. Comment pour les rêves, là, je ne suis pas dans les rêves aujourd'hui. Hein. Oui, mon pied, ton pied. Tu vois, tu dis que c'est très flatteur. Assiste tout, donc t'as dit que tu es princesse Bayangam, ça te flatte. Hey, Jesus! Que tu es la terre promise, hein? Tu ne sais pas qu'il est la première génération. Les pères ne sont pas à la terre promise, hein? Donc si tu es la terre promise, c'est grave. Laisse-toi aller, fais comme une grande fille. Mais vraiment, pour les fils, Seigneur. Quand je suis avec toi, je me sens tellement bien. Ouais, oh. La fille qui veut parler, use ceci là. Tu m'as dit, tu t'as raconté comment te draguer. C'est pour ça que tu veux passer en direct avec moi. Dis-moi ce qu'on vous disait quand vous draguez. Non? Pour les pauvres, les offrandes VIP, mamie, demande seulement. J'ai déjà quelques personnes qui ont encore donné aujourd'hui. Tu es le guide de mon pendule. Hein? Aïe, aïe, aïe. S'il n'y a pas la pile dedans, le pendule ne marche pas. Oh. Ah, que tu es ma mère, non? Ça flatte. Je suis en sécurité de t'avoir dans ma vie. C'est le gars qui ne va pas payer le loyer qui va te dire ça. Il ne veut pas payer le loyer, c'est pour ça qu'il est en sécurité avec toi. Mais il sait que voilà sa mère qui est revenue dans sa vie, elle va faire tout pour lui. Je vais casser tous les trucs dans votre tête là. Le numéro WhatsApp général pour tout le monde. Mon rythme cardiaque. Eh ouais, mais alors. Que l'amour est moins. Pardon, attendez-vous le numéro. Le 00237 680 71 07 01. Il me disait que tant que le poisson aime l'eau, je vais aussi t'aimer. Sandrine. Oh!
Le numéro 00237 680 71 0701. Voilà comment on vous a pris. Tu es tombé, tu as soulevé les pieds en l'air, comme ça, comme bien. La reine Niembe, tu riais. Je vous dis que les lavages vont se faire soit demain, soit vendredi. Vous avez suivi, non? Je suis perdu sans toi. Si tu me quittes depuis, nous ne sommes plus ensemble, mais il ne s'est pas perdu. Je disais qu'il est perdu sans toi. Hein? Maintenant, vous vous êtes séparés, il n'est pas tout perdu. Tu n'as même entendu le communiqué à la radio qui dit qu'on le cherche. Ouais. Bon, je vous donne le deuxième numéro pour le message. Ok. 00237 655 31 0750 655 31 0750. Le dernier numéro. Donc, si vous écrivez partout, on ne vous répond pas. Contactez celui-ci. On a les lavages le premier. Donc, ceux qui vous trouvent le lavage du mois. Le lavage, c'est le premier. 1er juin. Pardon. Août. Le dernier numéro, c'est le 00237. 693 50 22 66. Il y a un Decepticon qui est sur ma page. Il a mis le 226, quoi là. Si vous lui avez envoyé l'argent, vraiment, c'est à vos risques et périls. Vous avez compris. Tous les numéros de mes représentants sont sur la page ici. Si quelqu'un t'écrit, tu regardes, tu vois, ce n'est pas ça. Tant pis pour toi. C'est que tu avais dit que tu ne payes pas ta dîme. Du coup, tu es parti envoyer ton argent à un Decepticon. Oui. L'autre a dit que quoi? Que si tu m'as à 12 heures, je vais suivre à 12 heures une heure. Ouais, Seigneur, Seigneur. Aïe. Mm-hmm. Je vais t'épouser. Ça, seulement, ça suffit pour qu'une femme baisse la garde. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Je vais t'épouser. Tu es sa garantie à vie. Tu es son assurance vie, ma chérie. You know the here. Tu es son assurance vie. Il y a les bons hommes dehors. Ne dis pas que les bandits, ça m'a. Il y a les bons hommes. Le temps là, tu ne cherchais pas. Tu ne savais pas encore ce que tu voulais, ma chérie. Oui, oui. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Parce que tu peux avoir 45 ans, 50 ans, tu tombes toujours dans la même chose. Oh mon bébé, tu sais, on ne sait même pas que tu as 4 enfants. Hein. On ne sait même pas que tu es grand-mère. Eh, eh, tes seins sont encore debout comme ça. Tu es tombé. C'est tout, hein. User 2583, tu veux parler, tu veux dire quoi à propos de quoi, mamie? C'est le témoignage, c'est quoi, mamie? Tu me dis. Les bons hommes ne sont pas rares. Tu dois t'aligner sur la fréquence de l'homme-là. Kobo, j'ai parlé de toi, ma mère. Oh, j'ai parlé de toi, ma mère, mon frère, mes soeurs, mes frères. Les mêmes soeurs et frères-là qui vont te demander de te jeter là. Tu as 7 ans, hein? Bonsoir la reine Olga. Ah, il se retrouve en toi, il était perdu. Voilà, pour lui prouver que tu es son meilleur choix, tu lui donnes le meilleur de toi. Et c'est même pas sincère, oui. Résica va travailler, pardon. Ok, Élise, tu as envoyé ton demande à mon demande à ta grande soeur. Anne-Lie, je dois laver ton fiancé là. Envoie-moi sa photo et le lave. Marion, tu ris seulement. Hein. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Hein. Faisons notre héritier. Il va hériter de quoi?
Ah, je n'ai pas fait l'insémination artificielle, tu accouches. Aïe. Ou bien tu lui dis que mon frère, il était à temps pour moi de faire l'enfant. Donc j'avais besoin de. Je ne voulais pas payer 5000 dollars pour faire l'insémination. Donc comme tu es là, autant mieux que tu m'insémines même naturellement une fois. Donc autant mieux. Le lavage des enfants, c'est 10 000. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer. Donc, je vais reporter ça à vendredi. Le lavage des enfants, c'est 10 000. Parfois, un homme veut faire l'enfant. Hein. Il a besoin d'une femme battante. Dès qu'il te trouve, il voit comment tu t'occupes des trois autres enfants. Là. Il sait que s'il fait le quatrième avec toi. Écoutez les secrets des hommes. Que s'il te donne l'enfant, tu ne vas jamais l'appeler pour demander la couche. Jamais. Partagez ma vidéo alors, s'il vous plaît. Je vous parle de vos choses, non? Les choses qu'on vous a dit, non? Vous êtes tombé 50 fois. Quand tu, si tu penses à ça, ça te fait aussi rire. C'est comme ça. Les lavages, non? Moi, je vais voir si pour le premier, le Seigneur va me permettre. Ce que je vais faire les réductions sur les. Si 50 personnes, si je vois 50 commentaires de faire la réduction, je fais la réduction. Oui, 55-31-07-50. Ça, c'est la représentante de Yaoundé. Vous écrivez, elle va répondre. Donc, commentez ici. Là, je veux voir 50 commentaires de faire la réduction. On va voir si le premier, on va réduire les lavages. Au lieu de 33 800, on peut réduire à 20 000. Commentez, faire la réduction. On va voir. Snitch, si tu viens d'arriver ici, là, c'est que c'est grave. Si tu me demandes que les bains des enfants, c'est pourquoi? 20 000. Allez-y, alors je veux voir les commentaires. S'il y a beaucoup de commentaires, on fait le 1er juillet, le lavage du mois, on fait à 20 000. Ah, je sais que vous allez tous commenter. Ne commentez pas deux fois. Hein. Ça fait 6, 7, 8. 9, 10, 11 TikTok, 12, 13, la reine a c'est beau toi-même tu es là, c'est quoi? 14, 15, 16, 17, non, Ide Flo n'a pas dit ça, 17, 18, 19. Vingt, 21, 22, 23. Si une personne commande deux fois, 24, 25, 28, non, Fabi Love, 26, 27, Olga. Même toi, Olga. Quoi, tu voulais me donner l'argent, c'est comment? 29. Même toi, Claudine, Olivia. 30. Hey! 31. 32. Si on arrive à 50, c'est qu'on va réduire la réduction. Ah, j'ai fait, tu as écrit. 33. Rosine. Ah, j'ai fait, tu as écrit. Jamais tu triches. 34. Marie, tu n'as pas écrit. 35. Bibi, tu n'as pas écrit. 36. Ange, Rachel, je vais te bloquer parce que tu triches. 37. Michel, 38. Je n'ai même pas 15 000. Mirène, tu n'as pas encore écrit. 39. Ange, tu n'as pas encore écrit. Ange, je vais te bloquer. Écris encore une fois, je te bloque. 40, 41. Ok. Ange, Rachel, tu as gagné un blocage. Moi, il ne blague pas. Voilà. 41. 40. Ida, tu as déjà écrit.
42, Sandrine. On ne triche pas, s'il vous plaît. Simon, tu as déjà écrit. On a 43. Blanche, 44. Si 6 personnes écrivent encore réduction, le lavage du premier, au lieu de 33 800, ce sera 20 000 francs. Mathe, ok. 37. Non, 35. Comment tu vas, non? Mon Dieu, pote. On est déjà à 47 euros. Attends, d'abord, évaluer les gens ici. Aristide, comment tu vas? Métis, 48. Hé, hey, les gens ici. 49. Allez, un dernier commentaire. L'or, 50. D'accord. Le lavage des enfants, au lieu de 33 000, c'est 10 000. Le lavage des adultes, c'est 20 000 pour le premier. Donc, vous pouvez aussi envoyer vos numéros de téléphone. Je vais noter, on va vous contacter. J'espère que vous aurez la paresse de nous contacter. Je vous connais. Ceux qui sont déjà abonnés chez vous. Azebot, toi là, que ça ne laisse personne. Azebot, je vais te demander dans la... Après demain, on a quoi ensemble, non? Je vais te cocher. Donc, comment se passe le lavage? Tu m'envoies ta photo, ton portrait. N'envoie pas la photo où tu avais B, tu as mis ton pied sur lui. Il ne veut pas ça. En France, c'est 30 euros au lieu de 50 euros. Donc, on fait le lavage à 30 euros. Ouais, ça dérange qui comme ça, non? Saint-Denis touche. Tu as d'abord pris une lettre de photo pour mettre là-bas. Et c'est que ce n'est pas toi. Si mon agent te dérange parce que j'aide les gens et qu'ils me donnent leur argent, je suis désolée. Va t'asseoir dans la salle de mes jaloux. Tu as compris? Ok. Tu vois comment il sourit, non? Tu es aigri, tu es pauvre, ce n'est pas bien. Ouais, Seigneur. Ouais. Ouais, Seigneur. Je rends les gens riches. Tu as compris? Je rends les gens riches. Ok, Audrey, on va te contacter. Et ça dérange les gens. Je vais te laisser encore dans mon direct. Je sais que vous n'aimez pas le succès des gens. Oh, quand les gens ont l'argent, ça vous dérange. Hey, which kind is this? Il y a la canicule dans la salle de mes jaloux. Hein? Vous avez compris? Donc, vous envoyez votre photo. Je ne veux pas la photo où on te voit, tu es assis avec B, tu as mis ton pied sur lui ou bien... Ça doit être une photo où on voit ton visage, on voit bien tes deux yeux. Il n'y a pas la clim dans ma salle là, même pas. Oui, la reine Ida, on a touché pour ton numéro. On va te contacter. Les autres, je vous ai sur WhatsApp en truc. Hein. Physiquement, vous pouvez venir à Douala. Hein. Je serai à Douala, donc vous pouvez venir. Vous venez avec la nourriture, hein. Gardez-moi la nourriture. Vous venez, mon amour. Vous avez compris, non? Gardez-moi la nourriture. I don't want food. On fait un petit festin, le premier. Ouais. On va mettre la musique. On va tomber, on va danser. Oui. On va un peu danser. Oui. Je vous invite à Douala à la fête. On va faire la fête à Douala. Venez. Vous avez compris, non? On a la fête le premier. Le premier, c'est quand? Ceux de l'Europe, vous envoyez la photo sans souci. On va vous contacter.
Marie-Sylvie, je suppose que tu es en France. La reine Julie qui est dans le direct, je veux que tu copies aussi les numéros avec moi, sinon c'est chaud sur moi là. Oui, comment vous me faites improviser les choses, non? Vous venez à Douala, Makepe, derrière Paja Center. Jésus est Seigneur, ma chérie. Je vais vous enseigner tout à l'heure, vous avez compris, non? Vendredi pour Yaoundé, demain je vous dirai. Si je n'ai pas assez de réservations, je ne pense pas que je pourrais venir. Si il vient seulement peut-être 5 personnes, non. Bon, il faudrait que ça me donne quand il y a 7 personnes. Libreville, on va faire pour vous. Hein. Vous envoyez seulement vos trucs. Côte d'Ivoire, vous allez faire à distance. Je serai en Côte d'Ivoire en fin du mois. Fin d'août. Oui, c'est lundi, hein. D'accord. Bon, lundi, vous venez alors. Invitez-moi au Sénégal, je vais venir. Donc, vous venez de me faire réduire le prix de l'élevage du 1er août. À 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 32 dollars, c'est-à-dire 30 euros, quelque chose comme ça. Les gens ont leur témoignage. Oh. User, tu as dit quoi, ma chérie? Désolée, juste tellement concentrée sur comment faire pour envoyer la photo. Tu envoies sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le. J'avais oublié que TikTok, on ne peut pas laisser le numéro. Mon numéro WhatsApp, vous prenez de quoi noter TikTok? Non, Bafoussam, je ne viens pas. Quand il vient à Bafoussam, Bafoussam, vous m'énervez. Bafoussam, vous m'énervez. Vous venez, vous faites bavarder, bavarder, vous ne payez pas. Vous pouvez payer mon transport avec quoi? Je pars à Bafoussam en avion. Donc, vous venez lundi, on va manger, on va faire le lavage, on va se caler, on va boire le champagne, on va danser. Vous connaissez, donc, quand il vous invite à la maison, vous connaissez. Vous mangez vous-même là, chacun, vous faites comme chez vous. Moi, il n'y a pas les protocoles chez moi. Voilà. Rézika, je fais les lives le matin et j'ai commencé ça à faire le soir, si tu as remarqué. Donc, lundi, étant donné que beaucoup d'entre vous, vous allez travailler, on va, heureusement ou malheureusement, mais on va faire ça. Je vais mettre en soirée, venez vers. Non. Il faut que ce soit midi. Il faut que ce soit midi. C'est midi qui donne. Je calcule les heures là. Venez à 10h, non, 11h15. Comme ça, on va commencer à midi 00. Toute femme qui va venir à midi 5 ne sera pas reçue. Vous m'avez fait ça la dernière fois. J'ai dit non. Si tu es en RDC ou n'importe où, tu m'envoies ta photo. Le numéro, c'est le suivant. Plus 237 6 80 71 07 01. OK? 6 80 71 07 01. 00237 6 80 71 07 01. Voilà. J'aime quand vous me faites organiser les trucs à l'improviste comme ça. J'ai donné le numéro pour envoyer la photo. Le numéro est en haut de ce direct. 00237, ma chérie. 6 80 71 07 01. La dernière fois, les femmes sont venues. On a fait un lavage. Le premier, je crois que c'était le 1er juillet. On a bu le champagne. Yuku Tagro, j'ai dit à Abidjan, c'est 40 000. Donc, quand elle vous dit 40 000, c'est moi qui ai dit. Tu as compris? Maintenant, je viens de faire des réductions. Donc, peu importe votre pays, ça, je viens de décider maintenant, là. Abidjan, au lieu de 40 000, Gabon, au lieu de 40 000, je réduis et je mets ça à 20 000, exceptionnellement. Tu commences à te puger, la reine Yembe, vous aimez ça.
Il y a 06 80 71 07 01. C'est 001 à la fin. Si malheureusement, dimanche, vous avez vos menstrues, ne venez pas vous laver. OK? Si vous avez déjà payé, vous allez faire le lavage du 6. Parce que le 6, on fait les lavages pour les gens qui ont leur menstruation là. Menstruation. OK. Vous laissez votre numéro ici, on va vous contacter. Bon, avant que je ne commence à improviser ceci et que vous me fassiez dire que j'ai réduit. Étoile filante était là, non? Je crois qu'il faut qu'on fasse. On doit faire le couscous au gombo le premier avec les gambas. Oui. Je ne vais plus vous faire les nourritures sèches là. Il faut qu'on va faire une grosse marmite de couscous au gombo. Même si chacun a un gambas là-bas. Parce que parfois vous me surprenez. Hein? Une crevette, c'est ça, non? Oui. Chacun a une seule crevette. Donc. La dernière fois, j'avais fait à manger. Vous avez eu tellement nombreux. Ne vous inquiétez pas. Je vous attends. On va boire le champagne, on va manger le couscous au gombo avec les gambas. Voilà. C'est arrêté. C'est conclu. Voilà. Et je crois que je vais organiser un truc à la mer à Douala. Peut-être dès le 5 comme ça. On va tous partir ensemble et on va revenir ensemble. Nous allons aller faire physiquement. Donc, ceux qui sont à Douala, préparez-vous. Bien sûr, vous allez payer votre argent de transport. Vous avez suivi, non? L'onction qu'il y a dans l'eau, je dois vous donner ça physiquement. Certains d'entre vous doivent être lavés, je dois vous baptiser carrément. Pour les États-Unis, vous mettez, contactez ce numéro, plus 237. Plus 237. 680 71 0701. Bon, je vais faire le gombo et je vais faire le condré. Vous me faites improviser les choses. On va faire la sauce gombo, on va faire le condré à côté. Si tu ne manges pas le gombo, tu vas manger le condré. Ok? Il faut qu'ils notent ça. Je vais déjà dire à mes ménagers là-bas au Cameroun. Je vais venir en Europe. Attendez-moi, j'arrive très bientôt. Vous avez suivi, non? Donc, enregistrez-vous si vous voulez partir à l'eau avec moi à Douala le 5 août. On doit aller là-bas faire des passations de pouvoir. On doit aller faire beaucoup de choses. Voilà. Résica, tu as faim, hein? Le jour où elle va vous appeler, il sera en direct. Vous allez voir le plat de gambas comme ça, là. Avec le bon condré. Je vais faire, au fond, on fasse le condré avec la sauce jaune du tarot, là. Oui. Maman, ma cuisinière là, elle a fait le congé. Mais tu peux te lever à 3 heures seulement pour aller manger, tu viens te coucher, tu dors. La mer, ce n'est pas pour les bons noms baptisés seulement. Tout le monde, tous ceux qui vont bien sûr, ne venez que si l'esprit vous a guidé. Hein? Bon, je vous ai donné le numéro, ok? 680 plus 237. 680 soit 11 07 01. Le deuxième numéro, plus 237. 655 31 07 50. Donc, plus 237, 655 31 07 50. Peu importe le pays, maintenant, quand tu écris à quelqu'un sur WhatsApp, même s'il est au Kazakhstan, il va répondre. Donc, prenez seulement les numéros. Voilà. On va donc. J'espère que les infos sont bien prises. Lavage des enfants pour ceux. On va faire le lavage vendredi. Je devais faire ça aujourd'hui, mais j'ai mis à vendredi. Lavage des enfants.
10 000 francs au lieu de 33 000 par enfant. Tous vos vacanciers là, envoyez-moi la photo, elle est là. Deuxième information. Le lavage du premier, vous avez tellement commenté que j'ai réduit. Au lieu de 33 800, ce sera 20 000 francs. Peu importe ton pays. Donc, lavage des enfants, c'est 16 $, 15 €. Lavage des adultes, vos gars là, vos maris là, lavez-les où? Pour les adultes, c'est 30 €, 33 $. Ok, le dollar, exactement comme ça que je dis seulement le dollar au hasard. Donc 20 000 francs CFA. Pour les témoignages, vous-même, vous savez qu'il y en a tellement. 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 Si vous êtes sur ma page, passez seulement sur la page, vous avez pas de témoignages. Et les gens qui ont fait les lavages, ils ont eu le boulot, ils ont été délivrés. On est allé à la mer. Il y a une dame qui m'a fait un voice là. Bah, tu as le troisième téléphone. Où c'est en bas? Où c'est dans mon sac? Ah, je pense que c'est dans mon sac. Regardez les coudes là-bas. Pourquoi c'est dans mon sac ici? C'est là-bas? Hein? D'accord. C'est bon, je l'ai. Je vais vous faire écouter quelques témoignages là. Ok, c'est en direct que tu as obtenu ta guérison, Elise. Wow. That is really beautiful. Dis-moi qui tu sers si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu sers. Dis-moi qui tu sers. Dis-moi qui tu sers si ce n'est pas Jésus. Oh Decepticon, Decepticon, dis-moi. Decepticon. Bon. Femme, j'ai envoyé son témoignage la nuit. Je ne sais pas lequel vient avant l'autre. Avec la nouvelle là, j'avais appliqué pour les enfants, comme je disais là, Gabriella et Sloane. J'attendais même seulement le reçu de l'immigration. Ça faisait déjà 2 mois, 3 mois. Depuis que j'ai commencé, les jeunes là, les 3 jeunes acceptent la prière. Et aujourd'hui, quand je déclare, j'ai dit qu'avant la fin de la semaine, je dois témoigner le reçu. Le reçu, me voici au travail. Mon mari qui m'appelle, qu'il a reçu le reçu au mail. Donc, le reçu des petits chums, des enfants. C'est déjà arrivé. Ça veut dire que c'est sur la bonne voie. Maintenant, on attend seulement les documents qu'ils vont envoyer au Cameroun pour qu'on à la base. Aïe, ma reine, oui, oui, Lili. Contente, je suis contente que tu reçues parce que l'avocat même qui a pétition a dit que le reçu fait les 5 mois, 6 mois avant de venir. Seulement le reçu. Et avec le temps du COVID ici, l'immigration des États-Unis, c'est la magie. Pour répondre à quelqu'un, ça n'a même pas fait 2 mois. Seulement, donc, on a petitionné ça le 11 juin. Le 11 juin, nous sommes le 20 machin juillet. Voilà le reçu qu'on a déjà envoyé. Petitionne pour que mes enfants viennent me retrouver aux États-Unis. Le reçu a déjà envoyé. Ils ont un numéro. Donc, je vais seulement suivre le cas maintenant. Et le fils, aïe, ma reine. Oui, oui.
Vous avez les témoignages, mon frère. Elle faisait seulement les wish, wish. On a fait son offrande à l'eau dimanche. Sa première requête, c'était que ses enfants viennent la retrouver aux États-Unis. C'était sa première requête. Première requête. Que mes enfants viennent. C'est que son témoignage m'amuse. J'ai écouté ça 5 fois. Elle dit, wouj, wouj. Aïe, j'ai dit, ok. Et tu sais, quand tes enfants sont loin de toi, tu les envoies chez les oncles, les tantes, des personnes te demandent l'argent tous les jours, tous les jours. Donc, quand on a fait le lavage, le truc à l'eau, là, on a dit, elle a mis les noms de ses enfants qu'ils doivent avoir. Voilà ça que mardi, on fait ça dimanche, mardi, pape, on vient lui dire, petit Chonet, il a accepté. Bon, il y a encore quoi j'ai aussi un de mes... Hier, on a fait le lavage pour l'activation des pouvoirs. L'offrande qu'on a fait à la main hier, c'était pour activer les pouvoirs des choisis. Donc, j'ai un de mes fils qui est dans un pays que dont je tairai le nom. Parce qu'apparemment, sa famille est derrière lui. Que, ah, c'est la femme que tu suis sur Facebook là. Hein? C'est elle, c'est elle. Elle dit aux gens d'arrêter d'arrêter leur boulot. C'est elle qui te fait arrêter ton boulot. Hein? Hmm? Donc, il était devenu un peu tiède. Dans le sens où c'est quelqu'un qui avait des rêves prophétiques jusqu'à. Comme on doit causer demain, on peut se mettre au lavage aussi. Oui, lavez-vous déjà, oui. Eugénie, bon, tu peux aussi avoir ton témoignage. Je dis, j'arrange même pas. Dieu ne fait pas la discrimination. Donc, celui-ci de mes fils, c'était quelqu'un qui est très spirituel, qui avait des rêves prophétiques. Je me rappelle maintenant de ses bâtons de commandement. Quand je lui ai envoyé son bâton de commandement, quand c'est arrivé, il a eu la canne. Soit il faisait des... J'envoyais des choses, même 10 kilos de produits spirituels. Il prend les chapeaux, les ndopo, les ceci. Ah! Le bâton arrive. Le jour, ça arrive, il te pose à la maison. La nuit, là, il rêve comme il est en train de se balader. Il guérit les gens avec son bâton. Il voyage, il va de pays en pays. Écoutez, Dieu va vous montrer pour vous. Donc, depuis quelque temps, il est devenu un peu froid, cold. Il était là, mais il n'était pas toujours là. Dimanche, d'abord, il demande le lavage, l'offrande à l'eau VIP. On fait. J'ai parlé. Dans la nuit de lundi à mardi, les ancêtres m'ont dit, il ne faut pas faire l'autre. Et l'autre, là, on va manger. Hier, vous avez vu comment on a mangé. Là. Ceux qui étaient là sur Zoom, je vous ai dit que le truc à l'eau, je ne le mets pas sur Facebook, je ne mets pas sur TikTok. Parfois, ils vous montrent les lavages, mais l'autre, là, c'est très, très puissant. Donc, je ne peux pas... Donc, hier encore, je n'ai pas encore fait l'autre pour lui. Il m'écrit le message aujourd'hui, il dit que maman, j'ai passé toute la nuit bagarre avec les démons. Je bagarre, je les tue. Après, je saute d'un grand trou. Écoutez, vous avez les dons. Il y en a parmi vous qui sont censés déjà voyager justement pour soigner les gens. Il y en a parmi vous, votre destinée est encore ouverte. Qu'est-ce qui te bloque? Je vais vous dire les facteurs. Ça revient sur ce que j'ai dit dans mon direct quand il commençait. Premièrement, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. Quand on dit lavage comme ça, la vie, ah, pardon, elle va escroquer les gens. Ne vous dérangez pas. Ce n'est pas votre argent qui va faire qu'elle construise ma maison au village. Vous avez suivi. Si c'est ça qui va acheter mes terrains, c'est vous qui avez besoin d'aide. Et une dernière fois qui a témoigné, elle dit, marraine, depuis que je connais mon homme, ça fait 9 ans qu'on vit ensemble. Pas de mariage. Elle a fait son propre lavage en avril. Début avril, elle est encore au 4. Il se lève un jour en avril. On va se marier. Elle dit que, hein?
Papa, depuis 9 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On va se laver. On va se marier. Lui-même, il fait toute la procédure. Tout. Il trouve la date. Ils ont marié en juin. Lui-même, il n'a pas fait les billets d'invitation. Mais... Oh. Quand elle s'est mariée, elle m'envoie seulement le message que oh, je suis mariée. Oh. Enfin, je suis madame. Oh, 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 oh. Écoutez. Il y en a qui disent, ok, elle est madame, on va voir comment le gars aura l'argent. Ne vous inquiétez pas, mon travail a les étapes. Je les attends. Ça a les étapes. Vous allez vous marier. Vous allez avoir l'argent. Votre mari va avoir l'argent. Donc, comme la Bible dit que Abraham devient super riche, Isaac devient super riche, vous allez devenir super, super riche. Regardez bien votre maison. Parce que dans 3 mois, les choses que vous prenez souvent 6 mois pour acheter là, oublier. Tu vas te marier une journée, on sera. Tu vas claquer des doigts. Tu claques des doigts. 15 000 euros, achetez-moi ça. Tu vas acheter la voiture, tu te lèves un bourgeois. Tu vas, tu achètes. Pas vous affaire que tu l'attends encore 3 mois. Le banquier va analyser ton dossier. Gna, gna, gna. Ah, en Guadeloupe, vos parents étaient dans ça. Oui, oui, oui. Vous n'avancez pas parce que vous êtes paresseux. Vous m'avez suivi. Arrêtez de suivre n'importe quoi. Je suis dans les débats avec est-ce que Lady Pong ça a fait quoi avec qui? Je suis même pas d'abord l'actualité des gens là. Est-ce que Claudio et Majaki, tu en as rien à foutre? Qu'est-ce que Claudio va t'apporter sur ta destinée? Hein? C'est ce que tu as dans ta tête que tu vas voir dans ta réalité. C'est ce qu'on ne vous a pas encore dit. Un lavage par mois, une offrande à la mère par mois. Fais ça pendant 2 mois. Si tu ne vois pas de changement, je te rembourse ton argent. Tu me dis. Et je sais que fidèlement, tu as suivi ce que dit. Hein. Tu me dis, je te rembourse ton argent que tu m'as donné. Parce que le truc de la mère là, oh, c'est tic-tac. Tic-tac. J'ai vu un TikTok une fois ici, la jeune fille disait que le TikTok en Chine, on fait passer des vidéos des athlètes, des gens qui ont réussi, les inventeurs. Mais tout le reste du monde entier passe des trucs assez cons. L'offrande à la mer, ça se fait à distance. On expédie par DHL. Donc, contactez juste le numéro. Vous dites, pour commencer, vous pouvez prendre le kit de fondation ou le kit de déblocage plus. Ceux qui ont des pages sur les réseaux sociaux, prenez le kit de célébrité, le kit de déblocage normal. Et vous faites une offrande à l'eau. Vous commandez que je fasse une offrande à l'eau pour vous. Ça va étendre votre business. On a aussi les kits de commerce. Pour le lavage, tu envoies ta photo. Tu envoies l'argent avec ton nom. On te lave. Généralement, pour le lavage, je t'envoie une vidéo. Lavez vos maris. Vos enfants, envoyez leurs photos, on les lave. Julie, le mot cher n'est pas ton problème. Comme tu dis que DHL coûte cher. Il y a les gens à qui tu as donné. Tu donnes tes choses. Ils ont les mauvaises mains. Ils touchent tes produits. Ça arrive chez toi là-bas. Tu continues. Tu confirmes le code. DHL pour les États-Unis, 3 kilos, on en vend 55 000. Pour la France, 3 kilos, environ 45 000. Maintenant, en fonction du pays, parfois vous avez la taxe de 22 euros pour vous payer quand ça arrive. Voilà. Maintenant, si tu ne peux pas sortir ton argent pour acheter, pour payer pour faire ton travail spirituel, pardon, tu as compris. Laisse seulement pardon. Tu as compris. Pour l'offrande à l'eau, généralement,
Je fais ça, ceux qui font en groupe, je fais ça quand on est connecté. Donc, comme je disais, vous êtes. Pas sur le temps, regardez les trucs qui vont vous faire rire. Vous passez le temps à regarder ce que le président Macron fait avec sa femme, ou bien ça va vous servir à quoi? Tu peux regarder les informations dans le cadre de ton travail. Mais à part ça, ta tête doit se remplir d'idées. Il y a les livres de développement personnel. Mais tu écoutes. Et la nuit n'est pas faite pour dormir ou pour faire l'amour seulement. Nina, Michel et Fouba, grâce à moi, tu as fini le jeûne aujourd'hui. Tu reçois la restauration de tes entrailles au nom de Jésus. On ne fait pas le lavage à la mer. Je fais une offrande à la mer en ton nom. Avec tes requêtes. Tu as compris, ça se fait à distance. Tout ce que je vous dis, ça se fait à distance. Consultation à distance. Lavage à distance. Offrande à distance. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez de vous poser les mêmes questions. Ouais. Et le truc, c'est que TikTok ne va pas vous aider. Tu dois combattre l'envie qu'il y a dans toi de dormir sur les vidéos de TikTok. Tu dois combattre ça. Marie Duncan, tu as rêvé que tu avais le bâton de commandement comme puis un vieux père. Est-ce que tu avais acheté le bâton de commandement? Tu vas me dire non, non. Tu veux que je t'explique quoi? Je te gifle à travers le téléphone. Je vends les produits spirituels, vous n'achetez pas. Il faut que les ancêtres viennent dans le rêve pour vous dire. Combien de fois j'ai monté le bateau de commandement ici à vendre? L'autre rêve, j'ai rêvé que tu étais habillé en dope. Tu fais 6 mois, tu n'achètes pas la bine dope. Pourquoi? J'ai rêvé que j'avais un chapeau avec les coris. Voilà ça, non? Tu ne peux pas acheter toi-même, tu ne commandes pas chez moi, peut-être, ou bien chez une autre personne. Arrêtez de négliger aussi. J'ai rêvé que j'avais le bâton de commandement. Ça veut dire quoi? Ouais, Seigneur. Femme enceinte, ne jeûne pas. Amélie ne te dérange pas. Quand elle me fâche, elle me fâche. Quand l'enfant fait quelque chose qui est mauvais, la mère se fâche, non. Je me fâche, je fouette même. Ceux qui viennent souvent là physiquement me voient. Ça ne va pas, ils vous fouettent. Oui. Mon numéro, c'est le 00237. Écrivez alors. C'est quel anniversaire demain, je te bénis. Que tu aies beaucoup de cadeaux. Que cette nouvelle année, tu changes tes mauvaises habitudes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous aimez seulement quand que tu vas recevoir, que tu changes. Moi, je n'encourage pas à paresser. Les ancêtres vont venir vous donner vos outils. Beaucoup d'entre vous, vous devez avoir les outils spirituels. Tu vois, c'est pour que comme une chaise, une reine sur la chaise, on lui donne, on dit, il y a les outils. Il y en a parmi vous, m'écoutez, vous êtes même ici. Vous savez. Ça, c'est le manque. Ça, 200 000. Ça, comme vous voyez, ça ne ressemble à rien là. Ah, il t'a crié dessus, Hélène. Après, tu as compris, c'est bien. Vous êtes trop en retard dans vos instruments. Trop! Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes encore bloqué là où vous êtes. Si tu peux partir chez Zara, chez H&M, tu peux embobiner, tu achètes la bille, tu mets sur toi.
Celui qui a dit que l'habit ne fait pas le moine t'avait menti. L'habit fait le moine. Vanessa, je suis en train de déjà dire comment activer sa vie. Si tu écoutes, c'est bien. Tu n'écoutes pas, tu sors, ma chérie. Vous vous aimez seulement quand on vous donne 5 points. Comme je parle, là, je t'entends parce que tu quittes mon direct. Comme bien. Troisième raison pour laquelle votre vie n'avance pas. Vous ne faites pas d'efforts pour chercher. Tu attends qu'un homme vienne dans ta vie pour te... Oh, ma chérie, vends même ça là, non? Après, porte encore 2 millions, il te donne. Pour que tu aies... Oh oui, ma chérie. J'indique qu'aujourd'hui, la maison, ici à Libreville, à une dame. Je lui dis le deuxième duplex jaune. Le portail est marron. Deux fois. Elle arrive devant le portail, le premier duplex jaune, avec le portail noir, elle s'arrête. Et c'est à 20 mètres de ma maison. Je sors, je reste au portail, la regarde comme ça. Je dis que vous voilà. Vous voilà. Tu n'es pas invisible, ta question n'est pas relevante. Tu as compris? Je réponds pas à toutes les questions. Quand j'ai visé les choses à dire, et je dis ce que l'esprit me dit de dire. Tu as compris, ma chérie? Tu vas comprendre comment moi il fonctionne. Voilà. Vous ne prêtez pas attention aux détails. L'argent est dans les détails. L'argent est dans les détails. Tu es assis, tu vends quelque chose. Parce que tu as pensé que, ouais, voilà, dans la rue, si je peux vendre le foléré. En une journée, 4 personnes viennent te demander, je peux acheter les arachides où? Le lendemain, 15 personnes viennent te demander, on vend les arachides où? Il y a la photocopieuse où? 50 personnes te demandent en une journée où est la photocopieuse? Ma chérie, si tu ne peux pas louer la photocopieuse quelque part, tu prends même le crédit. Par la réunion, tu prends le crédit. Tu achètes la photocopieuse, tu viens déposer. C'est que tu es bête. C'est pour ça que tu n'avances pas. Tout est devant toi. Tout. Vous croyez que j'ai commencé à vendre des trucs, c'est comment? Je vends les chapeaux, je vends tout ça. Je vends. Ça là, c'est très spécial. Là où j'ai acheté ça, il n'y avait plus. Donc vraiment, ça là, non, je ne sais pas retrouver ça. Le vrai, vrai, vrai comme ça là, non. Mais tout le reste, ça là. Au début, je faisais mes vidéos, je ne vendais rien. Je reçois une personne, elle me dit, je la soigne, je parle, je l'envoie, je lui ai dit qu'un endroit va partir trouver le sel. Je dis que, ah. Une, deux, trois personnes. Après, dis à ma secrétaire que cherche-moi là où on vend sur le marché. Pas acheter là-bas, tu veux me donner, je dépose ici. Ça va faciliter la tâche à mon client qui vient. Parce qu'il y en avait qui venaient de l'Europe, il n'avait pas le temps d'aller se mélanger aux gens dans le marché. Après, je dis que, mais attends un peu. Je me casse même pourquoi. Je vais maintenant fabriquer. Après, je dis pourquoi, attends un peu. À chaque fois, il voit que je donne toujours ça, 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 ça. Autant mieux que je fasse les kits. Voilà comment. Je n'ai pas moi chercher les kits chez quelqu'un. Je n'ai pas moi chercher quelqu'un. Je suis le fou qui crée les idées. Et vous avez ça dans vos têtes. Le numéro, c'est le 00237. 00237 680 71 07 01 680 71 07 01
Peu importe votre pays, écrivez à ce numéro. 00237 680 71 07 01. Quand je vous montre comment vous échouez, je crois que vous voyez comment relancer votre vie. Si elle te montre comment tu as échoué, je crois que ça te montre comment tu peux te relancer. Et ce numéro, c'est un secrétaire qui s'en occupe. Le deuxième numéro, c'est le 00237 655 310750. 655 310750. T'inquiète pas pour le décalage horaire, ma chérie. Je suis là pour pointer. Tu as compris? Je suis au pointage. Parfois, même, je prends mon téléphone moi-même à 23h, je suis en train de répondre aux messages. Parfois, certains d'entre vous, je me vais à 3h pour faire mon travail. Après, je vous écris. Une autre raison pour laquelle votre vie n'avance pas. Vous avez trop tenu compte de la vie des autres. Trop. Donc comme tu es là, ta tante te contrôle, ton père te contrôle, ton cousin te contrôle, ta soeur te contrôle. Donc tu te plains que ton mari est contrôlé par sa famille, même toi tu es contrôlé par ta famille. Ouais, je vais quitter mon boulot pour me lancer à mon compte. Mais j'ai peur de l'opinion de ma famille. Oh. Vanessa, tu dis que mes vidéos sont sucrées à toi. Hein? Qu'est-ce que ma tante va dire? Ah! On me voit vendre le poisson brisé. Premier mois, chiffre d'affaires, 300 000. Ton ancien salaire, c'était 75 000. On te dit, prends le barbecue qu'on achète à Bonaprise là. Le barbecue même de 40 000. Là, ce 40 000, c'est le extra super nice barbecue. Tu as là le gaz chez toi, non? Porte ta bouteille, tu peux vendre avec. Porte ta cuisinière pour un début. Arrête de dire que tu n'as pas l'argent. Comment on a le barbecue de 10 000? Par jour, tu vends, tu as la recette, bénéfice 10 000. 10 000 chaque jour. Tu sais combien ça fait? Ça ne fait pas 30 000. Hein? 10 fois 5 jours, ça fait combien? 50 000. Fois 4 semaines. Écrivez vraiment le montant, pardon. Écrivez le montant. Supposons que tu te reposes lundi et mardi, tu ne fais pas. Tu fais dans mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 250 000. Cash. Ajoute, moi si c'est moi, je vais faire 6 jours. Hein. Moi, pas forcément 5 jours, je vais faire 6 jours. Donc, après, il y aura même les jours souvent qu'il va mettre une fille là-bas. Le jour où on ne travaille pas, il met une fille là-bas, elle vend.
Je fais les condiments bien, même c'est elle qui vend. Si elle me donne même 5 000 le jour, là, c'est bon. Elle prend 5 000. Vous devez réfléchir. Après, tu vois comment tu portes encore un deuxième. Il y a un bar qui est de l'autre côté. Non, tu es au carrefour, c'est là. Le carrefour qui est là-bas, il y a notre bar, non. N'est-ce pas? Cherche une matin au quartier. Tu la mets là-bas. Elle est ton employée. Parce que vous ne vous voyez pas comme des employeuses. Hé! Chakara baba baba, chikan tore babo santé. Oh, la pauvreté, l'esprit pauvre n'est pas bien. Ikapoum. Ikapok. Voyou. Quelqu'un, tu es devant ton poisson brisé. Quelqu'un va venir garer sa voiture. T'insulter. Il ne sait pas que tu as trois vendeuses dehors qui te font le chiffre d'affaires. Que chaque semaine, tu as au moins 70 000 par vendeuse. Écoutez, hein, moi, j'ai trop souffert dans ma vie. Et dans toutes ces situations, je m'en suis sorti. Mettez-moi à Azerbaïdjan ou au Kazakhstan. Déposez-moi là-bas, vous partez. Vous allez venir me voir en train de vendre leur nourriture. Que qui t'a appris ça? Je suis parti sur TikTok. J'ai regardé comment on fait la nourriture des gens-là. Il y a un inconnu qui m'avait arrêté en route il y a un mois en te disant que ouais, constatez-vous sur le commerce car vous avez beaucoup d'argent, mais arrêtez de dormir. Et là, tu m'as découvert aussi. Waouh, c'est un bon témoignage, madame. Oui, ce sont les enfants. Écoutez, mesdames, tu prends la main du quartier là. Tu crois que fait TikTok bug. La main là te rapporte. Si toi tu fais 200 000 francs le mois, la main là ne sera pas aussi intelligente que toi, je suis. Donc elle peut te faire dans les 150 000 le mois. Sur les 150 000. Je parle de bénéficiaire. TikTok, vous faites bugger ma vidéo, pourquoi? TikTok, est-ce que vous m'écoutez? Je vais laisser l'image, elle va figer comme ça, là, je continue à parler. Si vous m'écoutez, dites que vous m'écoutez, je vois. TikTok a bugué carrément. TikTok, si vous vous pétez souvent, hein, vous la pétez. Si vous m'écoutez, vous me dites, voilà, c'est bon, ça va, on va continuer comme ça là. Donc, toi, si tu fais le chiffre d'affaires là où tu es de 200 000 au mois, la maman que tu vas mettre ailleurs, c'est comme ça le business. Sur 10 vendeuses, tu auras une qui aura le même zèle que toi. Écoutez-moi bien, ça c'est le truc que je donne à mes séminaires. Les autres vont te faire les chiffres d'affaires de 130 000, 150 000. Sur les 150 000 là, tu donnes la moitié comme salaire. Donc 75 000 supposons. Avec le reste, tu payes l'emplacement peut-être 20 000. Comme c'était le bénéfice, ça veut dire qu'après ça, tu n'as plus rien. Ça veut dire que le poisson s'était à rembourser lui-même. Et si parmi toutes ces femmes-là, tu as une fille de 25 ans qui arrive, elle a le zèle. Genre, elle arrive, elle te propose même les idées. Voilà comment tu vas reconnaître la personne avec qui tu vas travailler. Que mais tata, tu sais, j'ai remarqué le soir que si, souvent ils demandent, quand ils finissent de manger le poisson comme ça là, ils demandent telle chose. Quand ils sortent du bar, ils demandent même le bouillon. Tu vois, non tata, donc si après le poisson, vers 21h, 22h comme ça, quelqu'un venait avec le bouillon. Tu dis que non, la fille, là, je peux travailler avec toi. Je peux travailler avec toi. Toi, tu es du côté de Bouna Moussadi. Tu l'envoies du côté de Bouna Priso ou de Makepe. Elle parle là-bas maintenant. Elle tient les femmes de Makepe. Vous avez déjà les succursales. Vous avez déjà les managers, les gens qui gèrent les trucs. Tous ne sont pas versés que dans ton compte. Pendant ce temps, tu planifies maintenant de faire un bar, un restaurant, une maison qui t'appartient.
Comme tu avais 4 femmes qui vendaient déjà pour toi. Et que sur les 4 femmes par mois, tu avais 50 000. Ça fait 200 000 en plus de tes propres 200 000. Et une fois par mois, 4 fois par mois, tu donnais à une autre femme qui te donnait 5 000 par jour. Donc ça augmente encore 20 000 sur tes 200 000. Donc tu fais 220 000 plus les 200 000 des femmes là. Ça te fait 420 000 que tu as le mois. Et comme tu avais commencé la tontine, avec les marches à qui hmm? Tu avais là mis tes 200 000 déjà, tes 420 000 là. Tu pars dessus, tu divises, tu gardes au moins la moitié. Quand tu as créé le vide, hein, s'il y a un problème, tu vas combler ça automatiquement. Ne te casse pas. Parce que si tu laisses les 400 000 là dans ta main, tu vas tout dépenser ça le mois qui suit. Donc dès que ça touche ta main en fin de semaine comme ça là, pam, on dépose la moitié dans la tontine. S'il y a un problème en semaine, tu vas te démêler n'importe comment pour résoudre le problème. Tu fais 3 mois la réunion. Comme tu cotisais 200 000 chaque mois là, au bout de 3 mois, tu as donné 600 000 à la réunion. Tu vois la réunion, tu leur demandes que, ok, est-ce qu'elle peut vous faire la réunion alors? Tu portes un an de 200 000 le mois, ça fait combien? Ça fait 2 millions, non? 2 millions 400. Tu portes les 2 millions 400 là. Tu sais que ta cotisation ne souffre de rien, puisque tes femmes sont en train de travailler dehors. Tu pars avec les 2 millions là, tu loues le local, tu supplies le bailleur. Au lieu de payer 2 millions pour 10 mois de loyer, ouais, permets-moi de payer 6 mois, non. Tu as trouvé le local à 110 000. 6 mois, si c'est 2 mois, ça fait 8 mois que tu dois payer. Donc tu vas le donner dans les 8 mois à 110 000, ça fait combien? 880 000. Tu commences avec les chaises en plastique. Ne va pas chercher les grands fauteuils. Ne voyez pas mes locaux aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis des trucs qui sont chers chez moi, vous pensez que... J'ai commencé avec les trucs en plastique. Tu venais, tu t'assois, même les tabourets en bambou. On poursuit ta nourriture, ma chérie. Et le bon service. Et les clients aiment voir quelqu'un qui est en train de s'améliorer et qui grandit. Plus que quelqu'un qui a déjà tout. On arrive la semaine si tu as augmenté ça. La semaine d'après, tu as augmenté ça. L'autre semaine, tu proposes maintenant la viande de brousse. L'autre semaine, tu proposes maintenant ceci. Tes clients seront contents, je t'assure, ils vont venir acheter chez toi. Parce que tu les as déjà fidélisés. Maintenant, quand tu as fait ton propre bar, ça veut dire que tu peux maintenant avoir plus de clients et tu vas maintenant vendre la boisson. Boisson, nourriture, et ils peuvent rester à ta guise. Maintenant, sur un coin là-bas, tu peux prendre certains produits que tu veux même afficher là-bas. Tu mets sur la table. Quand quelqu'un passe, tu mets une petite fille là-bas. Par nuit, tu lui donnes même 1000 francs. Parce que c'est le soir, il n'a rien à faire. Même les chips de plantain là. Avec. Tu fais le marketing de réseau, non? Tu as les déodorants, les trucs comme ça là. Tu déposes sur la table là. La table là va produire par soi, même si c'est 10 000 que ça donne par soi. Même si c'est 5 000 que la table te donne par soi que tu as vendu. Le grand restaurant va te produire encore par soi. Tes femmes que tu as mis dans tous les pommes de doigts là qui vendent le poisson pour toi encore vont te donner chaque soir. Tu as commencé en faisant ton petit poisson avec tes petits 50 000. Hein? Le seul problème c'est que les premières années, tu ne vas presque rien manger de ça. Parce que tout l'argent que tu vas prendre, tu vas encore repartir, mettre dans le business, ça se verse de tout, tu vides l'assiette, tu regardes encore. Oh, je voulais m'acheter le sac Louis Vuitton. Ne te dérange pas, ma chérie. Ne te dérange pas. Louis Vuitton, tu vas acheter. Hermès, tu vas acheter. Ne te précipite pas. Tu prends 3 mois, 6 mois, tu stabilises le restaurant. Pas ta présence toi-même. Tu donnes le rythme, les clients te connaissent. Tu fais que ton restaurant devienne comme tu veux. Tu adresses les clients, les serveuses qui parlent mal aux clients là. Ça ne va pas, tu les renvoies sur le champ. Oui. Vous pensez que quoi?
Tu observes encore parmi tes serveuses. 3 mois, c'est assez pour observer et voir ce qui est vraiment motivé. Motivé, loyal, fidèle. Souvent, tu parles une journée, tu la laisses gérer, tu reviens voir. Pas forcément ta soeur. Chacun a son zèle dans son cœur. Tu vois, elle travaille souvent à la fermeture. Elle est censée partir à 18h, mais tu la vois là-bas à 22h. Elle dit non, je ne peux pas vous laisser comme ça, vous fermer seulement avec 2 personnes. Je dois rester. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. Tu dis non, je vois quelqu'un avec qui je peux travailler. Vous croyez qu'elle fait 1 mois à Libreville comme ça, là, qui est là-bas, il travaille pour moi. Maintenant, tu dis, c'est le bon moment. Tu veux te lancer dans un autre business, tu veux faire les vêtements. Tu cotises l'argent, tu portes encore la réunion l'année prochaine. Tu pars en Turquie avec. On est à presque la deuxième année et demie. Hein? Tu n'as pas encore le 4x4 que tu veux. Tu n'as pas encore la Mercedes que tu veux là. Non. Tu es en train de mettre les sources de revenus. Tu mets les choses que tu vas rester comme ça là, tu te tournes dans le lit comme ça donne l'argent. Tu te tournes comme ça donne l'argent. Tu te tournes comme ça donne l'argent. Tu es encore sur le salaire. Te voilà. Tu pars en Turquie. Premier tour. En partant, tu demandes les conseils de quelqu'un dans ton quartier qui fait déjà dans ça. Elle te donne le contact de 2-3 personnes là-bas qui vont te guider correctement là-bas. Tu arrives. Tu vois bien les prix. Tu prends les contacts même des gens qui sont sur place encore. Le premier tour, ce n'est pas pour faire les achats de 15 millions. Ne te dérange pas, ma chérie. Même si tu achètes seulement pour 1 million, tu reviens avec. Tu cibles les choses que tu sais que tu as acheté ça à 2 000. Tu reviens, tu vends à 10 000. Tu dois rembourser ton billet d'avion. Oui, oui, oui. Et tu n'achètes pas parce qu'on t'a dit que tout le monde, ça passe. Non. Je suis en train de vous raconter mon histoire. Vous avez suivi. Je vous raconte mon histoire. Mais ce n'est pas dans les propos. Je n'ai pas fait le lard, le poisson. Et comme les personnes qui te suivent, quand tu as beaucoup de clients au restaurant, ils suivent tes statuts, non? Ils connaissent que ce que tu vas rentrer avec, c'est la bonne qualité. Dès que tu es là-bas, tu commences à... Je vous ai parlé des encensoirs, non? Tout là pour les encensoirs, non? Je vais rentrer avec ça de mon Cameroun. Je suis arrivé, j'ai vu ça, ça me plaît tellement, vraiment. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je mets l'encensoir là sur ma table, ça me plaît. Donc, je vais rentrer avec ça. Ça finit, c'est fini. Premier venu, premier acheté. Il m'en fout. Pendant que tu es encore là-bas en Turquie, tu mets sur tes statuts. Les gens disent que je veux, je veux. Tu dis qu'envoie-moi l'argent. On commence à mettre dans ton Orange Money. Tu as déjà fait la prévente. Pendant ce temps, tu checkes avec le restaurant, tu checkes encore avec ta fille que tu as mis à Makepela. Tu finis en Turquie. Tu rentres. Je sais qu'on ne voit pas, ma chérie. Si tu m'entends, c'est bon. Tu vas faire Radio de Give Digger Academy aujourd'hui. Tu as compris? Radio de Give Digger. Écoute seulement. TikTok a bugué, l'image est figée. Donnez-moi même les likes que je vois si ça donne. Voilà, les likes avancent. Donnez mes likes. Ne vous dérangez pas pour l'image. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Jocelyne. Et la parole était Jocelyne. Quand vous m'entendez là, je suis avec vous. Voilà. Tu rentres avec les vêtements, non? Tu commences à accrocher les vêtements dans ton restaurant parce que tu es en train de chercher le local. Vous savez qu'au Cameroun, pour prendre un local, c'est un grand investissement financier. Tu accroches d'abord dans ton restaurant pendant que tu cherches le local. Tu trouves le local. On te dit c'est prêt dans 1 mois et demi parce qu'on est en train de peindre, c'est un nouveau building. Tu dis au bailleur, il n'y a pas de problème, signons seulement le contrat. Tu commences à donner l'argent petit à petit. Tu prends 5 semaines pour verser ces 1 million et demi. 10 mois. 1 mois de 2 mois de caution, 8 mois de loyer. Tu verses.
Pendant ce temps, de temps en temps, tu achètes des produits pour aménager l'endroit, tu déposes derrière, tu déposes. Ouverture solennelle, un mois et demi plus tard. Merci beaucoup, papy. La marchandise avec laquelle tu es rentré là. Quand tu arrives, après une semaine, tu peux voir comment ça se vend. Tu contactes encore le fournisseur que tu avais pris son contact quand tu étais en Turquie là. Tu commandes. On met dans le conteneur pour toi. Donc, on met dans le conteneur, ça va arriver peut-être dans 6 semaines. Ils vont prendre encore 2 semaines pour te donner. Donc, c'est dans 2 mois. Pendant qu'on finit d'aménager le local, pendant que tu fais les peintures, les choses ceci, tu mets comme tu veux, gna gna gna. En passant, notre nouveau local à Bounamoussa sera ouvert bientôt. Ouverture officielle le 15 août. Ok? Notre local, on aura un nouveau local à Bounamoussa dit. Aux galeries Saligny. Vous pourrez faire vos lavages là-bas. Il y aura, je prévois faire des trucs virtuels. Donc vous pouvez venir vous désenvoûter, enlever la pauvreté sur vous. Vous allez faire des voyages virtuels. Vous allez conduire au Bentley. Je vais créer du nouveau au Cameroun. Écoutez, écoutez-moi bien. On va faire la conférence de Bentley bientôt. Donc le local sera ouvert bientôt. Le local de Libreville est déjà opérationnel. Ok, à Libreville, c'est à Saint-Germain. Oui, Annelie, tu peux travailler avec moi. Je ne prends pas les femmes paresseuses. Les femmes qui insultent le mari. C'est mon mari qui me bloque. Ce n'est jamais ton mari. Chaque fois que j'ai voulu aider une femme, elle m'a déçue. Une paresseuse. Paresseuse femme. Quand vous voyez la route qu'elle fait, je suis en train de pointer. Je suis en train de pointer, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit une fois que vous êtes les vendeuses. Parce que je veux que vous preniez mes produits. Je fais mes t-shirts, je mets ma photo sur ça. Vous sortez d'un doigt là, vous vendez. Et mes produits se vendent, s'il vous plaît. Tu ne peux pas marcher avec mon t-shirt sur toi. Tu as mes produits en main, tu vends. Tu ne vends pas. Par jour, si tu le fais pour moi, 20 000 francs. Et c'est pas ce qu'il vous faut. Tu la prends, tu la loges. Elle tourne. Dis que ma chérie, moi-même je bosse. Tu as vu ici la facture. Je t'ai dit que la banque m'a donné le crédit. Je suis en train de vous montrer comment tu évolues sans avoir besoin de la banque. Si tu n'as même pas de ton titre, tu cotises, tu mets ton propre argent à la banque. Tu cotises ton argent. Parle comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, je dis que contactez-moi inbox. Vous n'allez pas me contacter. Parce que vous pensez que dès que vous allez m'écrire que je veux, je vais courir sur vous. Ah non, non, non. Demandez à ceux qui travaillent avec moi. Je suis très dur. Ah non, des blagues. La seule chose qui m'intéresse, c'est le travail et la foi. Voilà les deux choses qui peuvent m'arrêter. Tu vois, tu vas venir parce que tu es... Tu vas me raconter comme ce que ton mari t'a fait, comme il t'a menacé. Je ne suis pas intéressée par ça. Moi-même, je peux te raconter comment on a failli me trembler dans mon couple. Je peux te raconter, oui, je peux. Mais tu ne vas pas te trouver dedans. Donc arrêtez-moi vos bêtises là. Je vous ai dit, et je dis encore, j'ai besoin de vendeuses. Donc si tu m'écoutes, tu es partante. Abidjan, Libreville, Douala, et Yaoundé. Le local de Yaoundé sera bientôt ouvert aussi. Yaoundé arrive. Noah. La dernière fois, quelqu'un m'a dit qu'il a envoyé son chauffeur. Ton neveu peut venir, il travaille d'abord dans mon entreprise. Il va d'abord. Quand tu viens dans mon entreprise, tu commences généralement dans la salle où on fabrique les produits. Toute personne dans mon entreprise doit savoir faire toutes choses. Tu ne veux pas, tu le laisses. J'ai ma secrétaire que j'ai en prénom. Elle est venue pour 2 jours à Yaoundé. Je l'ai envoyée à l'usine où on fabrique les choses. Elle dit, mais moi, je vais faire les cahiers. Non, j'ai dit, va à l'usine, ma chérie. Après, elle est partie au secrétariat. Après, elle a quitté là-bas, elle est partie. Elle avait même balayé la cour le jour-là. Elle avait balayé la cour. Oui. Au Burkina, si tu es sérieuse, on peut lancer au Burkina. Je ne suis pas au Burkina pour l'instant.
Donc je continue. Tu mets le local dans. Pendant que tu cherches le local, tu inaugures le local. Quand tu l'inaugures donc, le Togo aussi. Il y a le Togo, il y a le Sénégal, le Congo. Je veux bien venir là-bas physiquement, mais j'ai besoin de représentants. Les gens qui veulent vous envoyer les produits, ça, vous allez prendre, vous allez faire l'effort de répondre aux clients et aller leur donner. Mon problème, c'est que vous êtes trop paresseuse. Mesdames, vous voyez quelle heure il est? Il est 21h30. Je finis comme ça, je vais encore aller bosser. Tu dois bosser et tu as la vision dessus. Parce que c'est la vision qui va attirer à toi. Bonsoir la reine Pierrette. Tu ouvres le nouveau local de vêtements. Te voilà maintenant. Tu as les femmes qui font tout le poisson. Ton endroit où tu faisais le poisson, toi-même, tu avais donné finalement à une autre fille. Parce que quand tu avais tous tes voyages et le nouveau restaurant que tu viens d'ouvrir, tu ne pouvais pas tenir toi seul. Et la recette secrète de ton restaurant, c'est ton piment secret. Que tu n'as jamais monté la recette de ce piment-là, aucune de tes vendeuses. Voilà la reine Paloa. Ça a marché pour toi, les prières, les lavages, le jeûne. Chaque mois, tu as vu les désirs se concrétiser. Ça, c'est super. Nadège Sawadogo, si tu as déjà noté un de mes numéros, tu m'écris dessus. Si tu n'as pas noté, ça veut dire que tu n'es pas vaillante. Je ne travaille pas avec les filles qui sont dormeuses. Absolument pas. Et pour être représentante avec moi, tu dois déjà avoir acheté mes produits. Parce que tu as commencé pour toi-même. Voilà, il y a des dormeuses que j'attendais. Je n'avais pas l'argent pour acheter le sel de 1000 francs ou 2000. Ma chérie, tu sais quoi? Laisse tomber. Lave ton sel. Commence ton propre business. De toute façon, mon rythme est trop fort. Tu es paresseux, tu ne peux pas. Ça ne peut pas aller. Donc voilà ton nouveau local que tu viens d'ouvrir, tu vends les vêtements. Non? De temps en temps, tu peux avoir les vêtements, tu passes d'abord le matin. Tu pars dans le grand restaurant. Tu t'assures qu'on est en train de bien préparer la nourriture. Ça doit être prêt à 12 heures. Tu laisses ta gérante là-bas. Tu pars là où on vend les habits. Tu t'assures que tout est bien. Tu prends les photos, tu postes sur tes pages. Tu peux même dire que tu fais maintenant tes propres locaux. Ou bien dans le grand restaurant, tu prends dans une salle là-bas où tu as... Tu le confirmes, tu as rencontré la reine et les minutes qui ont suivi. Tu as pris ton kit. Maintenant, quand tu prends ton bureau, de ton bureau maintenant, tu diriges les choses à l'extérieur. Bien sûr, au restaurant maintenant, on a besoin d'un chauffeur, un coursier, il y a les cuisiniers, il y a les serveuses, ça augmente. Le chiffre d'affaires du restaurant maintenant par jour parfois, c'est dans les 1 million. On est là 4 ans plus tard. Tu es là à ton bureau. C'est là que tu gères, tu maintenant les appels, les réunions maintenant pour les grands contrats. Tu vois maintenant comment tu vas prendre un grand terrain. Où tu vas construire un truc. Les gens vont venir là-bas passer le week-end, faire les barbecues, les fêtes. Il y aura le restaurant, il y aura un centre de loisirs. Vous voyez. Il y a 5 ans, tu vendais le poisson. Je connais des gens que depuis que... Je suis arrivé au Cameroun en 2019, une fille que je connais en particulier. Jusqu'aujourd'hui, elle vend encore le poisson. Sur le même stand. Quand elle avait fait son poisson tout le temps, elle a commencé à payer sa dîme chez moi. Je l'encourageais. Je dis que ma chérie, cotise l'argent, tu achètes. Change seulement même dans ton endroit où tu vends là. Elle avait acheté la table là à 12 000 en fin 2019. Jusqu'aujourd'hui en 2022, elle vend toujours sur la table.
Mon peuple périt par manque de vision. Mon peuple périt par manque de vision. Je vous enseigne la dîme. Je vous enseigne les offrandes. Je vous enseigne le lavage au sel. Je vous enseigne. Tu ne dois pas avoir un business. Tu fais 3 mois sans sacrifier un animal pour bénir ton business. Sans payer les prémices du business. Sans payer la dîme du business. Ton business, c'est une entité. C'est comme un enfant, c'est comme un être humain. Métis noir, que tu veux la recette de 3 000 par jour. J'espère que tu te trompes de chiffres. Je ne veux pas les gens pauvres sur ma page, ma chérie. Tu te laves avec le sel depuis combien de temps? Tu me suis depuis combien de temps? Je vous enseigne tellement de choses ici. Si tu as la recette de 3 000 par jour, tu devais m'envoyer 300 francs chaque jour. Je n'ai jamais vu tes 300 francs, non. Continuez. C'est vous-même qui creusez vos tombes. Les principes divins, ce sont des principes. C'est comme la loi de la pesanteur. Peu importe le pays où vous êtes, prenez un papier. Laissez le papier tomber. On va voir s'il va voler. On va voir si le papier là va voler. Ça va tomber. Parce que c'est une loi. Et vous aimez souffrir. Je vends le maïs depuis 6 mois. Je te suis. Ne me faites pas honte. J'arrive un jour comme ça là. J'ai la moto, j'ai la voiture. Il y a les jours, je me dis à mon chauffeur que laisse la voiture, on prend que la moto. Un jour, il me voit sur la moto. Je garde, il voulait le maïs. Je crois que j'ai acheté les mangues d'abord parce que je ne voulais pas m'attendre au marché de Bonamoussati. J'ai pris les mangues et comme il faisait le maïs à côté, je me mets devant elle pour acheter. Elle me dit bonjour ma reine. Elle me dit que quelqu'un qui dit comme ça, ça veut dire qu'il me suit. Elle me dit qu'elle te suit. J'ai voulu la sermonner là-bas, mais après, elle me suit. J'ai voulu la sermonner, je me suis tue. Est-ce que vous me suivez encore TikTok et tout ça là? La dîme, c'est 10% de ce que tu touches. Tu as ta recette quotidienne de 3 000 francs. Retire 300 francs sur ça. Tu envoies ton pasteur. Ou bien si c'est chez moi que tu reçois tes enseignements qui t'aident, envoie chez moi. Avant d'envoyer, tu pries dessus. Tu dis, tu prends ta Bible, tu lis Deutéronome chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Seigneur, quand je paye ma dîme chez la reine Jocelyne, écoutez, je ne suis pas pauvre. Le sort de multiplication qu'il y a sur moi, en tout cas, ceux qui payent connaissent. Quand je paye ma dîme chez elle, Seigneur, je déclare que ce terrain est un terrain fertile. Je sème cette dîme maintenant, j'enlève toute ma chance et toute malédiction sur moi. Je bénis mon commerce. J'ouvre les écluses des cieux sur mon commerce. Et je déclare que ça avance au nom de Jésus. Tu parles comme ça. Envoie ton argent. Si tu veux ça 3 mois, ça ne marche pas. Arrête d'envoyer ta dîme chez moi. Tu paies ta dîme, tu te laves au sel. Tu écoutes ce que je fais beaucoup d'enseignements parce que je ne peux pas vous prendre tous en privé, un à un. La reine de génie dit,
J'ai ouvert une boutique en ligne, je vends les ustensiles de cuisine, j'achète au Cameroun, je revends ici au Gabon. Maman, au début, j'avais les clients, mais je suis tombée, même le fonds de commerce, j'ai plus. Je n'avais jamais payé la dîme ni offrande. Maintenant, j'ai envie de reprendre et je pense que j'ai appris. Ah, si tu as appris, c'est super. Oui, tu dois payer la dîme sur le commerce que tu fais. Tout argent que ça entre dans ta main, puisqu'on prend, on te donne. Comme ça, là. Sors les 10%. Paye. Je vous donne les principes spirituels. Amazing. Tu peux me rejoindre. Tu peux m'appeler, me joindre ce soir après le direct, oui. Sandra Obdi, la dîme marche. Merci pour les likes et les cœurs. Merci. Au début de tes choses, tout ce que tu trouves, achète, tu revends. Souvent, tu marches comme ça, on voit ton chapeau. Waouh, j'aime le chapeau là, tu as pris ça où? Je connais là où je peux acheter le chapeau là à 5 000. Je reviens te vendre ça à 8 000, 10 000, 15 000. Achète le chapeau. Moi qui te vends le chapeau, je te rends service. Parce que parfois, tu es dans ton bureau, tu n'as pas le temps de sortir pour chercher le chapeau. Vous qui faites le commerce, vous rendez service à vos clients. Ceux qui veulent payer la dîme, payez sur le numéro Orange Money suivant. 693 50 22 66. 693 50 22 66. Le deuxième numéro Orange Money, 698 367 221. 698 367 221. MTN 680 71 07 01. 680 71 07 01. Le nom pour tout ça, c'est Joseline. Voilà. Tu te laves au sel. Tu fais ton premier pipi du matin. Tu te laves avec. Oui, par PayPal aussi, c'est vrai. Merci beaucoup, la reine Chacha. PayPal, c'est Aurélie Michel. A-U-R-E-L-I-E. Aurélie Michel. N-I-C-H-E-L-L-E. Aurélie Michel 2017. @gmail.com. Le numéro de Airtel Money du Gabon. 07 47 07 47 39 179 07 47 39 179. Si ce que je dis ça vous parle, payez votre dîme chez moi. Si c'est ailleurs que ça vous parle, payez là-bas. MTN 00237 680 71 07 01 680 71 07 01. Le nom c'est Joséline. PayPal Aurélie avec E. Michel avec deux L E 2017 @gmail.com. Et vraiment, si tu as la volonté, tu vas trouver les numéros aussi. Hein. Ne donnez même pas les excuses. Cherche le numéro que tu peux donner. Bon, à bon entendeur. Salut. Arrêtez de laisser votre puissance dans la main de quelqu'un d'autre. Arrêtez de donner votre pouvoir à quelqu'un. Tu peux commencer ce soir. Va en ligne, tu regardes une recette. Tu ne connais pas bien, fais quelque chose. Voilà, 0747 39 179, c'est ça. Et le nom du Gabon, c'est Jean-Déric.
Claire Sidonie, ne t'embrouille pas. Ne paye pas ta dîme à deux endroits. Si tu as un autre endroit, tu veux payer chez moi et là-bas. Va payer là-bas. Tu as compris? Parce que parfois, vous croyez qu'on va vous supplier. Hein? Toi-même, tu dois te convaincre de ta chose dans ton cœur d'abord. Je n'ai pas vu ça ici. Je vais t'en bas. Quand on te l'a dit, mais vous qui vendez les choses là, même ton démon là va dire que non, pardon, le tout cela. Laissez-moi la fille vendre ses choses. Laissez-la vendre ses choses. Les gens de TikTok là, vous devez se mettre patient, vraiment. Je crois que vous avez vu mon joli visage plusieurs fois. Donc même si le visage ne donne pas, écoutez ma voix. Écoutez beaucoup mes vidéos, écoutez mes vidéos, écoutez-moi jour et nuit. J'ai les gens que quand j'étais en dépression, je me rappelle d'un jour en particulier, j'étais sur le banc à Reims en France. Seul. Seul. J'avais le téléphone comme ça là. Parce que j'ai déprimé. Je suis sortie d'une relation où je me faisais taper dessus tous les jours. Et quand je lui dis ok, on arrête, du jour au lendemain aussi, il ne sort pas. Bam! Je me retrouve seule. Je reviens sur le secret de la dame qui avait le restaurant. Une minute. J'étais assise sur le banc à 18h. À 18h, 20h, c'était en été, 21h, parce que quand j'ai fait 21h, on sacre le à 22h, je me rappelle, les moustiques me piquaient déjà. Bon, il n'y a pas un moustique en bête. Qu'est-ce qui me dérangeait? Parce que je me rappelle, j'étais sur le banc là-bas, j'étais un peu embêté. J'écoutais Miles Monroe, Miles Monroe, Miles Monroe, Miles Monroe, Miles Monroe. Les amis, là, je ne cherchais pas les amis. Quand je me suis séparée de mon ex-mari, j'ai fait 3 mois avant de dire à ma famille qu'on a arrêté. 3 mois. Parce qu'il fallait que mon mental s'arrange d'abord. Marababakashi kantolobaso. Ikrokotorobashila. Allez regarder mes vidéos 2018. Mais il faut que toutes les vidéos de cette époque-là. Parce que c'était une chose que malgré tout l'abandon, tout ça là, je faisais. C'était Facebook. Cette page, je l'ai depuis 5 ans. La page, ça a vu toutes mes phases. La dépression, oh, le ceci, oh, tout. Quand je suis sorti de l'écoute de Miles Monroe, j'ai déterminé que je veux changer la vie des gens. Les gens qui ont traversé ce que je traverse. Et le mariage là, le monsieur me dit un jour, soit c'est ta fille, soit c'est moi. Envoie ta fille en Afrique. 7 jours plus tard, j'envoie ma fille en Afrique. Comme les blagues. Et vous savez ce que c'est quand ton enfant est loin de toi. J'envoie ma fille en Afrique. 3 semaines après que ma fille soit partie, lui-même me quitte. Il sort dans la musique, puis pas, il me laisse. Quand il était parti, il joue le reste conseil, il dit, oh, je suis seul, oh, je suis une incompétente, voilà, j'ai échoué mon mariage. Les jours, je me lève à 6h, je ne peux pas faire le sport, je cours, je reviens, je fais les vidéos, je lance sur Facebook, je lance sur YouTube. Vers 15h, comme ça, la dépression me prend encore. Il faut que je lui fasse un message, je lui dis que je suis désolé. Écris-lui, tu lui dis que tu es désolé, que non, que voilà, voilà. Après, je me dis encore que, non, j'ai des vies à changer.
Oui, porte monsieur Miles Monroe comme ça. Je l'invite dans ma chambre, il s'assoit là-bas. Il bavarde pendant 4 jours de temps. Il était allé louer une petite chambre quelque part là. J'ai payé même combien à la femme là? C'était 200 euros le mois. 200 euros, je pense. J'avais un lit d'une place dans la chambre là. Ça, c'était en juin 2018. Je me lève comme ça. Oui, à Reims, en France, oui. J'ai fait 2 ans en France. Je me lève le matin, 5 heures. J'écris. J'écris ce que je vais faire. J'écris mon plan de vie, ma vision. Les choses que j'ai fait avec vous aujourd'hui là, c'est les choses que j'ai visualisées en 2018. Bonsoir Audrey. Vous connaissez la suite. Après, Dieu m'a dit, va au Cameroun. Je suis venu au Cameroun. J'ai galéré au Cameroun. On m'a escroqué au Cameroun. On m'a mis en cellule au Cameroun. Nananana au Cameroun. Ouais. Vous devez avoir un mental. Le téléphone, si c'est votre plus grand ami. Si tu n'as personne dans ton environnement qui t'encourage, merci pour la rose Audrey. Encourage-toi toi-même. Cherche les vidéos des gens qui vont t'encourager. Vous savez que vous n'avez jamais regardé une de mes vidéos, vous êtes sorti de là avec la tête vide. Jamais. Jamais. Je connais d'où je viens et je connais là où je vais. S'il y a une chose, je connais là où je vais. Moi, hein? Je suis déjà trop tombé. C'est bien que c'est toi-même la chose à me dire que oh, toi aussi on te connaît, non, quitte là-bas. Je peux tomber pour une seconde, je me relève. L'autre jour, on a fait confiance à quelqu'un. On a un peu eu des abus de confiance. On a donc perdu quelque chose qui avait une certaine valeur. J'ai mon collaborateur qui reste comme ça. Il a fait presque 2 heures de temps, il n'a pas bossé. Il était choqué. Comment la personne a pu voler ça? Comment? Il est fâché, il dit non, 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 on ne peut même pas accepter. Non. Moi, j'étais en train de faire mes vidéos, hein. J'étais en train de faire mes vidéos depuis longtemps. Il dit, papa, hey, tu... c'est telle somme que tu pleures. Ne te dérange pas. J'ai souvent porté même 3 fois, 4 fois ça. J'ai donné quelque part. Après, la personne, franchement, ne me connaissait pas. Me porter, m'amener en cellule. C'est pour ça que je suis allée en cellule ange. Et tu devais te relever de ça. Écoutez, votre mental est en train de te travailler. Et je lui ai dit que regarde, on va pointer l'argent qui vient de se perdre là. Je crois qu'on a découvert ça vers 10 heures. 14 heures, j'avais le chiffre d'affaires là qui était revenu. Je lui ai dit que c'est comme ça que je fonctionne. Nobody can put me down. You can't put me down. You can't kill me, man. You're too small. Wait, why are you talking about? You're not born yet. Je lui dis que regarde, l'argent là qui est parti, je n'ai pas le temps pour bavarder. Même aller confronter la personne, je ne le ferai pas. Je vais juste protéger l'endroit. Je vais fermer tel endroit, je vais mettre les caméras. Point. Comme ça, dans le futur, j'aurai mes preuves. Tu vas encore t'engueuler avec la personne, comme ça, dit, gne, 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 je ne suis pas dedans. C'est l'énergie. L'énergie là peut me rapporter même 20 millions là. Donc laisse-moi ça. 14 heures. L'argent était rentré. J'ai dit que de 14 heures à 22 heures, on a encore beaucoup d'heures. Donc on peut encore pointer même 3 fois ça. C'est comme ça. Voilà le mindset avec lequel vous devez fonctionner. Où les gens crépent, les gens bosquent. De même, mon agent, depuis 2005 que tu m'as promis. Hey! Jesus! Toi aussi. Jean Bosco, Jean Crépin, Jean Kodokoto. Donne-moi mes 1 million que tu as pris depuis janvier 2020.
Il y a un an, ouais, il y a un an que. Il y a un à qui j'ai donné 3000 euros, j'ai rien vu. Moi, elle m'a dit toujours, ouais. Audrey, ton numéro que tu as donné là, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'on te contacte ou bien? Si c'est le cas, tu écris oui. Si tu viens faire ta publicité ici, là, vraiment, je ne sais pas. Vous serez testé. Dis-toi toujours que si tu es venu, tu m'as pris 3000 euros et que j'ai fait 6 mois pour faire 3000 euros. Maintenant, je vais faire 6 semaines et je vais faire 3000 euros. Parce que tout est dans ta tête, dans la pensée. Amen, Eugénie, je reçois ta bénédiction. Le kit de blocage au Cameroun, c'est 25 000. Le déblocage plus au Cameroun, c'est 55 000. Quand tu penses que tes 6 millions qu'on a pris, Fabilove, si tu as fait peut-être les 6 millions là, tu les as fait en 6 mois. Eh bien, chérie, tu sais quoi? Tu vas les faire en 6 semaines. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est comme ça. Moi, je vois toujours mon énergie en train d'avancer. J'avance. Maintenant, si entre-temps tu veux revenir donner l'argent, tu donnes. Si tu ne donnes pas. Supposons que quelqu'un te faut 6 millions, ok? Seigneur, donne-moi les 6 millions là aujourd'hui. Bam, quelqu'un vient avec une opportunité. Oui, oui, il y a un conteneur qui arrive là, ma chérie. Si tu donnes tel argent maintenant, on vend comme ça, là, tu as ton bénéfice sur ça. 6 millions. Écoute, ma chérie. Porte-les. C'est Dieu qui a répondu à ta prière. Ce n'était plus Jean Crépin qui devait venir avec les 6 millions que donner. La dépression voulait te finir la période là. Tu es tombé sur mon YouTube. Family love. Non, c'est bien. Ah oui, oui, c'est ça, ma chérie. Tu regardes toujours en avant. Toujours. 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 Et dernier truc qui va beaucoup vous aider. Ayez toujours un objectif de journée. Je dois pointer 50, je ne sais pas. Les lavages des enfants, par exemple. Que j'ai dit qu'on devait faire ça aujourd'hui. On va faire vendredi. J'ai dit, je dois avoir 100 enfants minimum qu'on va laver. Je crois qu'on est déjà à 70 enfants. Envoyez-moi les photos des enfants. Tant qu'ils n'atteignent pas les 100 enfants, là, ils ne les lavent pas. Je sais que d'ici demain déjà, parce que par jour, j'ai au moins, je ne sais pas combien, parfois 20, 25, 30 personnes en voie. Envoyez des photos de vos enfants. Vous devez avoir un objectif financier quotidien. De préférence, si vous pouvez aller partir dans une réunion. Ou bien tu demandes qu'on te dépose l'argent dans ton compte bancaire tous les jours. Fabi, leur envoie pour ton bébé. Envoie pour ton bébé. Amazing. Écoute, cette année-là, on a que traversé la moitié de l'année. Donc vous avez encore 5 mois pleins. 5.
Pour le lavage pour les enfants, tu envoies juste la photo de l'enfant. Tu envoies 10 000 francs. Normalement, c'est 33 800. Donc, si tu penses que tu veux me faire une offrande, tu peux ajouter. Moi, je ne refuse pas les offrandes. J'en ai tellement. Je ne refuse pas. Okay? Je refuse pas. Je bénis vos offrandes d'ailleurs. Je bénis les dîmes qui ont été versées. Je bénis les dîmes qui vont entrer le premier. Je bénis vos salaires. Je déclare aussi sur vos idées. Je bénis vos idées. Je bénis vos comptes bancaires que vous venez d'ouvrir. Les comptes d'épargne que vous venez d'ouvrir. Lavage de deux enfants, 20 000 francs. 60 euros pour les deux enfants. Normalement, je fais un lavage à 50 euros. Donc, deux lavages à 60 euros. Ou puisque c'est la réduction. Même l'enfant de 2 mois, tu envoies sa photo, le lave. C'est un peu une destinée. C'est la destinée de l'enfant que je lave, mamie. À distance, avec sa photo, c'est tout. Et son nom. N'attendez pas que vos enfants soient malades pour m'envoyer une photo. N'attendez pas que vos enfants soient à l'hôpital pour m'envoyer la photo. Une dame a fait ça aujourd'hui, son enfant est mort. Et vraiment, madame, mes sincères condoléances, si tu me suis. Mais vraiment, mes sincères condoléances. Votre problème, ce n'est pas de dépenser. Oh, je n'ai pas. Fais rentrer plus d'argent. Voici une nouvelle dimension dans laquelle tu dois penser. Pense sous terme de valeur. Tu arrives quelque part, on te dit, peut-être que je vends le kit. Je vends le kit à 50 000. Ok? Si je ne prends pas le kit, ton chiffre d'affaires mensuel sera toujours de 150 000 le mois ou 200 000 le mois. Tu décides maintenant de prendre un kit à 50 000. Tu sors 50 000, tu donnes. Tu commences avec les produits. Au bout de 2 semaines, tu te retrouves à 500 000 francs. Qui gagne? Voilà, tu viens maintenant de dire que je me suis juré que je ne dois pas dormir sans garder 20 000 à la réunion. Ça, c'est super. Bientôt, ce sera 200 000, ma chérie. C'est un peu comme la plaque. On te dit peut-être que paye pour l'installation d'une plaque en route pour que les clients voient tes produits. La plaque va te coûter 150 000. Et quand une fois que tu auras installé la plaque, au lieu de vendre pour 300 000 le mois, tu vas vendre pour 500 000 le mois. Ah non, les affaires de plaque, là, moi, il ne veut pas. Une autre personne va payer sa plaque. Il paye ses impôts, il paye tout, il met la plaque. Il a dépensé 175 000, non? Ok. Le premier mois, 500 000 au lieu de 300 000. L'argent de la plaque est déjà remboursé. Deuxième mois, 600 000 au lieu de 300 000. Quatrième, pourquoi? Parce qu'il a mis la plaque en route. Pensez en termes d'investissement. Un businessman ne parle pas en termes de salaire. C'est ce qui vous bloque. C'est pour ça que depuis, je te dis peut-être que je vends le sel. Tu vois, le sel, c'est 2 000 ou 2 500. On va même faire les sel à cancer dans une grande boîte là de 10 000. Je dis, ah! Je sors mes 10 000. Je sors mes 15 000 pour acheter le donne-moi tout. Tu prends le donne-moi tout. Tu mets sur toi. Premier jour, tu achètes 15 000. Hein. Quelqu'un te donne un 100 000 qui t'avait oublié depuis là. L'argent de ton donne-moi tout mensuel est déjà remboursé. Hein. Toutes les choses que le donne-moi tout va te donner dans les 30 prochains jours. Seigneur, c'est comme ça que vous devez réfléchir.
Fabi Love, tu dois faire des lavages ou le truc à la mer, là. Je ne sais pas si tu as fait ça. Fabi Love, on a pris ta puissance beaucoup. Ta vision est très petite. Tu m'écoutes, mais tu n'agis pas beaucoup. Tu dois agir. Peut-être que je prends le sel 2000. Avec le sel-ci, chaque jour, il y a une serveuse, une fois, m'écrivait. Elle me dit que maman, tous les jours, mon salaire mensuel, c'est 70 000. Depuis 5 jours, chaque jour, j'ai les pouvoirs de 5 000, 10 000. 5 000 pour boire, 10 000, 5 000, 10 000. 5 jours, ça fait 25 000. Le tiers de son salaire qu'elle a eu en 5 jours. En plus de son salaire, parce que cela va avec le sel. Certains d'entre vous, on vous a bloqué à une photo sommet. Fabi Love, le degré que j'étais en train de partir, ça avait, les gens ont vu. C'est pour ça. Donc, quand tu vas faire ton travail, il faut que tu accélères beaucoup, fais beaucoup. Si tu devais faire un lavage chez moi, par mois, et que pour que ton niveau financier revienne, il te faut 7 lavages. Supposons que tu décides en 6 semaines ou 7 semaines de faire 7 lavages. Tu vas voir que tu vas faire un mois et demi, tes choses vont être restaurées. Au lieu d'attendre 7 mois. Voilà. Homme riche et huile d'attirance. Voilà. Merci la reine Chacha. Homme riche et huile d'attirance. La reine Pelagie, si tu apprends, c'est bien. Pensez en termes d'investissement. Le sel est disponible en Côte d'Ivoire, oui. Consultation Cameroun, 34 800. Fais un lavage. Apprenez à vous brusquer. Brusque-toi. J'ai déjà dit que le lavage du premier, c'est 20 000 de toutes les façons. Tu peux venir me voir, te faire même un forfait. Il te dit que si tu fais 10 lavages ou bien 5 lavages, j'ai diminué le prix. Et même à 20 000. Chaque jour, on te lave, ça m'a. Le lavage, en fait, c'est un peu comme si les pieds de ta table étaient cassés. Ça vient arranger le pied. Ça arrange le pied. Soyez des... Ayez la niaque. Ayez la niaque. En tout cas, moi, je parle seulement ma panne, non. Je parle seulement ma chose, non. Eh, ouais, Léo. Eh, ouais, oh. Fabi Love, je ne suis pas à Saint-Germain, je voyage demain. Vous tournez comme la chaise de coiffeur, non. Tournez. Je vous ai dit que profitez quand je suis là. Les gens du Cameroun, vous crânez. Crânez bien. Chez moi au Cameroun là-bas. Quand ça me fait, on sait comment ça chante. Je prends la cascanette. Les ancêtres aiment la chanson comme ça. Les ancêtres aiment beaucoup la chanson. Bon, j'ai terminé. Donc, quand il finit de parler là, quand il finit de parler, que tu es vide là, ils me disent que ah, boum, taco. Ok. La boutique de produits au Gabon, c'est à Saint-Germain. Je vais voir le numéro. 07, non, le numéro du Gabon, ok? 07 41 80 080. 07 41 80 080. La France. La France, c'est sur le téléphone, c'est sur le numéro. Regardez cela. Cameroun 00237.
680 71 0701 00237 680 71 0701. Vanessa, il ne faut pas se mentir, tu as compris. Bon. Je mets de... Que cette nuit, les ancêtres vous parlent. Que leur voix soit claire et audible pour vous. Je vous bénis. Parfois, vous posez des questions auxquelles je ne je suis pas encore... que je n'ai pas encore appris. Quand ils connaissent pas moi quelque chose, je ne parle pas moi sur ça. Et pas d'abord, ils me documentent dessus. Moi, je vais y parler. Et c'est pas toutes les questions que je réponds. Tu as compris, ma chérie Léo? Voilà, voilà Paris. 0753 95 56 69. Nantes, 06 20 00 63 59. Vraiment, les gens de TikTok, les 30 personnes qui sont restées sur TikTok pour m'écouter, ça, vous êtes vraiment engagés. Je vous bénis cette nuit. Vrai, vrai. Je vais vous visiter d'ailleurs. Je vais venir vous voir un peu là. On va se voir tout à l'heure. Que tout message que vous avez reçu dans ce direct, je scelle ça. Toute idée de business que vous avez vue, je scelle ça dans votre esprit. Et je mets l'action sur vous. Je vous enlève de toute léthargie, inertie. Tu es comme si tu avais pas percé la couche d'ozone, tu planais. Je t'enlève de ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, allez-y. Allez faire l'amour, allez regarder des films, je sais pas, faire des trucs. Créer des produits, faire des beignets pour vendre demain, faire des trucs comme ça. Henriette, un rabais pour cette lavage. Henriette, oui, tu peux prendre un pack. Je pense qu'on va même faire un nouveau pack. Pack de cette lavage, voilà. Pack de cette lavage, un lavage à 20 000. Ouais. Ça fait partie d'un traitement. Tu fais vraiment un traitement. Ouais. Oui, tu peux faire par OM ou MTN. C'est possible. MTN, c'est le 680 00237 680 71 0701. Tu auras la persévérance. Agissez, c'est tout ce qu'il peut vous dire. L'ennemi ne peut rien contre la foi. Il ne peut rien, nothing, nada. Tu peux mettre le donne-moi tout comme parfum de tous les jours. Oui. Tu peux payer un lavage pour un ami. J'espère que tu n'es pas sa chisa. Hein. Il ne veut pas séparer les couples. Bonsoir, bonsoir le roi du Richard, Alexandre Dubois. Bluetooth mode. Le donne-moi tout au Gabon, c'est 18 000, le grand. Coco, donne-moi ton numéro. Si le numéro n'apparaît pas sur WhatsApp, donne ton numéro, on va te contacter. Ceux qui veulent qu'on les contacte, donnez vos numéros, je vais passer ça aux représentantes. Yaoundé arrive, il y aura de beaux produits à faire à Yaoundé, beaucoup de beaux travaux à faire à Yaoundé.
Amen. Ok. Et je suppose que c'est la France, 0743 27 566. Si quelqu'un a mis son numéro, remettez à nouveau, hein, je crois. Merci beaucoup, Noah. Moi aussi, je t'aime. Merci. Merci beaucoup pour votre amour. Je vous aime aussi. Oui, Sylvie, on a un peu ton nom aussi. Élise, merci. Oui, tu peux faire le sacrifice alors pour quelqu'un qui a les difficultés. Ça peut être quelqu'un qui est lié à toi de préférence. Le kit de 55 000. Déblocage plus. Il y a les produits que le mari de nuit dedans. Au Cameroun, les prix ailleurs sont différents. Ok. Bon. Je sais que vous voulez un peu rester toute la journée. I know you. Où c'est toute la nuit. Oh. Les kits sont disponibles, ils sont là. Voilà, avec tous les produits dedans. Kit commerce, kit déblocage plus, kit déblocage normal, kit attirance, savon pour enlever le toile d'araignée sur le visage, savon pour enlever ça. Le remède contre les marées de nuit, le remède contre les poisons de nuit. Le kit maison hantée, le sel arc-en-ciel. Le kit de 55 000 au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est 70 000. Bon, au revoir, au revoir. Pour Yaoundé, tu dois contacter la représentante. Son numéro, Vega Fatima, 655. Écris le numéro, Fatima. 655. 31 0750, tu vois, avec elle. Ça, c'est pour Yaoundé. S'il y a assez de réservations, je suis à Yaoundé vendredi. S'il n'y en a pas assez, on fera Yaoundé la semaine qui suit. Oui, à Douala, on est derrière Paja Center, à Makepe. On est basé à Douala. Côte d'Ivoire, c'est cher parce que la vie en Côte d'Ivoire est chère. La vie au Gabon, c'est très cher. Oui. 655. Si tu n'as pas noté, tu laisses Fatima. Tu as compris? Hop. Oh, noir. Même au Gabon, les kits sont plus chers. Le sel. Même le sel seulement au Gabon. Voyez-moi seulement le petit sel au Gabon. Le sel qu'on vend au Cameroun à 100 francs, on vend au Gabon à 500. Le loyer au Gabon, un appartement pour Cameroun à 550 000, au Gabon c'est 350 000. Le riz à Seco, il y a des choses que tu ne peux pas utiliser avec ton fiancé, non. Bon, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Bye, bye bye. TikTok, bye. Imi, 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 imi. Imi, 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 imi. C'est quoi ces chansons bizarres?
N'oubliez pas, lundi à Douala, il y a la fête. Donc, il faut venir. On va faire d'abord une cérémonie, on va faire les lavages et on va faire la fête. OK? Bye bye.